Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfank pour un nouvel épisode de Terranil. Nous allons donc faire le fjord pollué, c'est parti. Ça fait plusieurs fois que je le fais, ça fait plusieurs fois que j'échoue, parce que je suis toujours bloqué au même point. Je vais vous montrer. Je suis toujours embêté par le même moment en fait, où comme d'habitude j'ai pas d'argent pour faire les choses. J'ai pas de pouvoir de la nature. Inutile que je vous lise le texte car c'est bien dommage, le système va être différent, il n'y a pas de geyser. Et là c'est le texte de base, donc petit reproche à faire au jeu. Franchement les gars, pour quelques lignes, vous auriez pu faire un petit effort. Donc voilà, nous on arrive là-dessus. Alors j'ai envie de dire l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un décor qui a l'air d'être plutôt net. Pouette. Ok, intéressant. Ouais. Et alors, voilà, une chose que je vais reprocher, entre autres aussi. Alors, il y a deux choses que je vais reprocher. Bah, le texte, comme vous avez pu voir. Je trouve pas ça... je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas renouvelé le texte par rapport aux besoins de la carte. Et la deuxième chose, c'est que vous avez utilisé beaucoup la touche retour. Et ça, pour moi, ça tue le gameplay. C'est un peu... Là, j'ai pas eu besoin. Là, c'est pas mal. J'ai pas eu besoin de m'en servir. Je mets ici. J'ai pas eu besoin de m'en servir non plus. On est plutôt bon. Là j'ai besoin de m'en servir. Je suis trop proche de la caillasse. Et j'ai peur de faire du gaspillage donc. Ok. Je sais pas si j'allais supprimer une couche de roche ou pas. Je vais avoir besoin de toute la roche disponible. Donc ouais, vous commencez à comprendre pourquoi on va devoir faire des marches arrière. Puisque par exemple, si là je veux mettre de l'eau, bah c'est complètement possible. Hein. J'ai ça, donc je peux aller... Bon, je peux pas là-haut parce que j'ai pas le courant électrique. Ah oui, je peux même pas du tout, d'accord. Mais vous aurez compris l'idée du projet. Pourquoi je peux pas le mettre là? Ah, parce que je suis dans la zone du truc. Si je le mets là. Oui, mais toi, c'est pas de problème. Bah on va l'escalader là. Et je n'ai pas besoin donc de l'enlever. Très bien. Donc notre mission, dépolluer, verdir, le classique, j'ai envie de dire. Ça passe par la terre et la mer. On vient de se faire 3% tranquillement. Merde, tranquillement. Ouais, je t'aurais pas forcément posé parce que ça. C'est pas fou. Oui. Admettons. Bon, c'est surtout pas mal le bord de mer qui m'intéresse, hein, je vous cache pas que. Je mettrais bien un truc quand même par là. Parce que ça aurait été parfait en fait à l'endroit où il est lui. Alors, du coup là c'est pas possible. Je peux caler un petit... Ouais, il faut que j'arrête de faire ça. Hein. Je vais encore me retrouver fauché en 2 secondes. Hein. C'est vraiment c'est insupportable. Faut me le dire. Hein. Faut me dire que Knarf t'es insupportable. Arrête. Est-ce que ce monde est sérieux? Tout ça quoi. Tac. Alors. 130. Ou alors je vais me caler au bord et je fais un peu moins. Ah pétard. J'ai blobloté, excusez-moi. Hop. Hop. 115 ici. Et, allô. 111 par là. J'ai pas énormément de choix là. Pose-moi ça par ici. Ok. Je peux en poser d'autres dans ce secteur. Eh non, je peux pas faire. Et on est qu'à 25%. Oh, sad. Hein. Sad. On va aller le poser quand même. J'y crois pas, mais je le pose quand même. Ouais, bah 115 si tu veux. Ouais. Allez. C'est joli, hein. On va tout cramer.
J'ai besoin de faire monter la température locale, moi. Voilà. Pas mal hein. Allez hein. Régale-nous un peu. Maintenant qu'on voit un peu plus loin, est-ce que ce serait pas intéressant de voir si vite fait je peux aller caler de l'eau par quelque part. Oh. Alors déjà je vais me faire un petit plaisir sur ce réseau là. Ça me fait très envie. Je sais pas si c'est petit mais ça me faisait très envie. Hein. Donc, désolé. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ouais, il va falloir des trucs par là. Hein. Ça va être intéressant ça. Ça je peux peut-être même l'atteindre par un truc. Okay, je suis 50, c'est un peu moins cher. Donc je vais essayer de l'atteindre par ça. Et je vais essayer de te... ah oui, je peux mettre ça moi ici. C'est rigolo. Ah oui, mais il faut de l'herbe. Faut de l'herbe. Ouais. Genre plus 1. Genre je clean que ça de sol, mais t'es sérieux? Ah et plus ça oui par rapport à mon coup, je suis couillon. Abruti man. Pas futé man non plus. Ok, Ok, il m'en faudrait ouais, plutôt un par là. C'est pas mal. Oh, y'a rien là-haut. Hein. Y'a genre bien rien quoi. On va se mettre une petite. Un petit blou-blou par là. C'est pas très rentable, mais qu'est-ce que c'est joli et agréable. Comme ça. Mais ça ne sert à rien. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas regardé les objectifs. Dans mes objectifs, il y a faire monter encore la température pas mal. On pourrait aller chercher un plus 3 degrés, mais je pense qu'on peut aller chercher bien plus si on reverdit l'endroit avant de mettre un coup de briquet. Je sais pas, ouais, si tu veux comme ça, vas-y, régale-toi. Ça semble à rien, mais vas-y. Et là, je mets un petit coup de briquet supplémentaire. Tac. On peut prendre 6 degrés, allez. Allez. Franchement, 6 degrés. Retour des papillons. Les petits papillons de lumière. Voilà. Donc il va falloir, je crois, faire montrer le taux d'humidité également. Formation d'iceberg. Donc faudra redescendre à 0. Hein. C'est tout le délire de la map. Pour avoir les chutes de neige et être bien, faudra redescendre en dessous de 0. Mais à un moment donné, nous, le problème, c'est qu'il va falloir monter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça à faire en même temps. Donc faut verdir aussi. Là faut verdir. Je peux me remettre, je crois, un peu d'humidité. On peut passer à 46, je crois, au calme, je crois. Il n'y a pas de, problème. Voilà, petite mousse sur les roches. Très joli. 10 degrés de mémoire, c'est acceptable. On va garder ça comme ça. Ouais, par contre, les coups de briquet, ça fait vraiment des cratères. Pas très pratique. Et il faut absolument que tout ça puisse se toucher. Ah, si je te mets comme ça, je peux aller chercher tout le... Ouais, presque tout à une case près, on est bon. C'est largement bon. Il n'y a pas de souci. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à déposer là-dedans? Non. En vrai, voilà, l'objectif pour économiser de l'argent, là, ce que je vais essayer, effectivement, c'est c'est d'économiser en fait le nombre d'infrastructures. Hein. Je vais faire ça hein, tout bêtement. Je vais travailler avec ce qu'on me donne. De l'amorce sur les surfaces parce qu'on atteint donc les 50% d'humidité. Puisqu'évidemment, plus je rajoute de végétation, plus j'ajoute de l'humidité. Ça va de soi. 102. Ouais, si tu veux. Je vois pas trop le. Je vois plus peut-être comme ça. Pour le coup. Non, on va d'abord faire là-haut.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais j'ai un potal ici. Donc, autant profiter et faire un joli truc. Ouais, 137, 140, c'est devenu très solide, je crois. Voilà. Pareil, ici on va pas gêner, on va partir. Ah oui, non, peut-être un angle justement ici pour pas trop perdre. Ouais. 44 par ici. Bon, pourquoi? Vous pouvez vous expliquer, monsieur? Bon. 44 visiblement. C'est parti. C'est parti, let's go. Bon, y a des choses qu'on pourrait faire aussi. Là, c'est avec lui. C'est de gasifier de cette région-là. Entre autres, pour ajouter un panneau, un poteau solaire. Ajouter ça into ça. C'est pas mal. Certains diraient même, c'est sérieux. Moi, je les ajoute vraiment parce que je trouve ça trop classe, hein. Les petites rivières partout. Là, je viens de gaspiller 100 balles pour rien. Voilà. Je vous le dis, au moins, je suis honnête, hein. Vous n'avez pas besoin de le faire, hein, si jamais vous cherchez la réponse dans votre let's play. En profiter, parce que l'avantage, c'est que je connais déjà un peu la suite, donc je vais pas me gêner. Je vois que j'ai un truc ici, je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter à fond. Ouais, c'est pas mal. Là, oui, je suis embêté. Est-ce que c'est pas assez vert et j'aurais besoin que ce soit vert? Donc, j'en ai besoin. C'est pas grave, je vais pas me gêner, je vais le faire. Tac. Tac. Oh, ça couvrira tout ce que j'ai besoin que ça couvre à peu près. Voilà. Pas mal. Ici, on va pouvoir s'ajouter un petit potal. Ah, je me suis déjà fauché. Eh, mais c'est vraiment. Je me n'insupporte moi-même. Prends l'argent. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit objectif d'humidification? Ça serait possible. Mais nous, il faut qu'on aille chercher surtout le verdoiement pour l'instant. Le verdoiement, parce que c'est ce qu'on nous demande. Donc, on est bête et discipliné. On verdoie. Hein? On fait de la verdoyerie dans le verdoyage. Voilà. C'est green. Pour ceux qui ont la ref. Hein. Ceux qui ont vraiment des vieilles refs. Attends, je peux le coller. Hein. Je crois que je peux en aller chercher. Je vais aller faire de l'opti de couverture. 65, 70. Ouais. C'est bon. On a fait de la bonne opti. Donc maintenant on peut aller poser la suite. La suite, ça veut donc dire, voilà. Des forêts, des trucs, des machins. Et ça, voilà, c'est plus possible. Il y a déjà trop d'humidité dans l'air. Je suis donc déjà mis dans la merde tout seul. Voilà. C'était mon cadeau à moi-même. Par contre, on est favorable pour les deux autres, ce qui est intéressant. Le problème, c'est que je ne peux pas faire de forêt si je ne peux pas faire de biodôme. Puisqu'il faut brûler de la toundra. Donc le climat est déjà trop humide. On est déjà dans la 1. Jusqu'au coup, ouais. À ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me verrais bien voilà, poser quand même mon éolienne que j'avais prévu de poser. J'avais prévu de te poser toi. Je vais pas me gêner, je vais le faire. Plus par là pour pouvoir avoir de la roche exploitable. Voilà. Il faut donc que je te mette également toi. Tac. Ouais, vas-y, on s'en fout. Que tu sois posé, c'est pas très déterminant, hein. On va aussi essayer d'aller chercher un peu de couverture de manière générale. Voilà. Ici, on a quand même mis des terres arables qu'on n'a pas exploitées. On va quand même essayer de paraître un peu intelligent de temps en temps. Pas trop souvent, sinon les gens vont s'apercevoir que je suis un génie, bien sûr. Je sais pas pourquoi, mais bon, là les 123, ça te fait plaisir.
Et je ne sais pas pourquoi. Je vois pas où j'ai gagné un point de casse, de machin, je... Mais si tu le dis. Tu le dis, Polo. Voilà. Bon, on a bien couvert. On a été pas trop mal, hein, sur ce coup-là. Je pourrais même en rajouter un petit pas là pour couvrir cette zone. Alors ça sera un peu négatif, sauf si j'arrive à avoir le truc que j'ai cramé de l'autre côté. Mais ça peut attendre. Ça peut attendre parce que j'ai trop d'humidité et qu'il faudrait que je la fasse donc redescendre. C'est pas ce qui me pose problème ça. Mais est-ce que je vais faire redescendre l'humidité tout de suite? En sachant que j'ai du lierre à 70%, donc je débloque un objet si je réchauffe encore. Donc l'idée c'est de refroidir et de redescendre la température après. Est-ce qu'on mettrait pas un petit coup d'allume-feu là-dedans là? Moins 6, si tu veux, vas-y. Alors moins 6 ou peut-être... Ouais, si, vas-y, moins 6, ça m'évite de planter du décorum. Vas-y, moins 6. Je prends. Déjà, il y a peut-être des choses qu'on peut faire. Hein. Genre ici, j'ai quand même cast un bon truc. Ouais, pas mal. Plus 79, c'est pas mal. Mais on va pousser encore un peu. Alors, je commence vraiment par ça, parce que je sais que sinon, ma game, elle est foirée à partir de là. Je sais que c'est vraiment lui qui pose problème. Ouais, plus par là. Ouais, plus par là. Ouais, c'est joli, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là, on fait un beau chiffre, là. 143, ma gueule. Il nous faut des potales. Ah, il nous faut des potales, non, il faudrait que j'aille jusqu'en bordure de machin, là. Ouais, j'ai pas de meilleure bordure que ça, là, vraiment, c'est le démon. Vas-y. Zen m'amène. Ok. Donc. Oui, ici. Il faudra le prendre. Je suppose que là on est trop loin. Évidemment. Et là par contre je peux te planter où je veux à peu près. Ok. Hop. Prends-moi ce machin. Ça on le jette là. Juste plus 6. Mais mange t'es mort. Genre mange bien t'es mort. Je t'explique. Hein. Explique comment tu manges t'es mort. Pas de... Y'a tu rêves mon gars. Est-ce que avant de les jeter, il faudrait pas que je clean justement le monde en arrivant à la chute de neige pour avoir tout l'océan pour le planter plutôt que de gaspiller de la ressource. Oui, t'es en train de me dire mais des coups de briquet, mais j'ai pas de cible valide. Arrête de m'embêter. Donc, je peux pas faire de forêt, je peux rien faire. Ok, donc à ce stade, en fait, j'ai planté... J'ai du lichen. Il m'en faut plus encore. Moins 2, ce sera pas suffisant de toute façon. Voilà, je suis encore en train de me mettre la tête dans le... la tête dans les choux, là. J'en gère un peu. Ici ça sert à rien que je demande à quelqu'un d'autre de prendre, voilà, y a rien à prendre. Ouais, moins 33 à la limite il y a quelque chose. Moins 33 il y a un peu quelque chose. Moins 6, ah moins 2, ah, vous faites la course un peu là. Non, dans une zone bien verte là, voilà comme ça. Voilà. Oui aussi, ouais. Ça marche bien ça. Et bah je peux même pas faire plus. Voilà. Je suis encore ruiné. Pour changer un peu. 79, 48, allez 79. Ok. Bah on est bien embêté. On est bien embêté parce qu'on s'est planté quelque part. 15 degrés, je peux les atteindre.
Je vais aller les chercher. Je vais me chercher les 15 degrés maudits là. Là j'ai mes 15 degrés. Supérieur à 15 degrés. Restons cool. Restons cool. Il n'y en a pas un qui peut me donner d'ordre du 6. Ah ouais, ici là. Ici c'est 6. Il n'y a pas ailleurs qu'ici quand même, parce que ça m'arrangera un peu quand même. Ah ouais, bah j'ai claqué tous les briquets du monde par là. Hein. Bah ce sera ici, ce sera là où ça m'arrange pas. Voilà. C'est histoire de bien faire. Ok. Donc à partir de là, il nous manque plus que les 5% d'humidité. Et on est bon. Et on peut tout redescendre. D'accord. Peut-être plus comme ça. Ok. Si je continue à mettre des planteurs, je gagne encore un peu en humidité. Je suis à 16. Ah, mais c'est pas ce qui va créer la différence là. Là, si je veux créer la différence à moindre coût, c'est ça direct. Hein. Mais. Ouais, aussi j'ai un peu de surface ici. Voilà, c'est largement suffisant. Si, c'est largement bon. Voilà. J'ai validé mes deux objectifs. Maintenant, il va falloir que j'assèche la terre et que j'abaisse la température. Youpi. Pour les chutes de neige, c'est juste une question de température. Donc. On va juste faire descendre la température comme un gros débile. C'est parti, let's go. Moins 4, je peux aller chercher un moins 5 au moins là. C'est quoi ce truc là? Moins 6. Voilà, on discute là. Voilà. Moins 5. Moins 6. Discute. Moins 5. Moins 6, on discute. Moins 4. Mais non. C'est vache ça. Allez, moins 6, voilà, on discute. Très spécifique. Formation d'iceberg, à partir de maintenant. Mais on n'a toujours pas les chutes de neige, ni l'aurore boréale. L'autre problème qu'on va avoir, c'est que... Ça reste favorable dans tous les cas. Donc ça, c'est du pain béni, quelque part. Ça, c'est juste l'humidité qui est trop élevée. Et les forêts, on n'est plus dans l'opti. On n'est plus dans l'opti forêt. C'est dommage. Donc, va falloir peut-être s'intéresser. Ouais, il faut que j'aille chercher les chutes de neige parce que c'est ce qui va me donner des points. Chutes de neige, ça va tout dépolluer, ça va me donner des points. Je vais et les poissons pélagiques et les aurores boréales. Donc, je vais prendre 500 points qui vont déjà me sortir. Et en plus de ça, ça va me recouvrir toute la carte. Toute la carte ne sera plus stérile. Donc, à partir de là, il faut aller chercher les chutes de neige. Surtout qu'on est à 2 degrés près de les avoir. Donc j'ai envie de dire, on va peut-être pas se gêner. Peut-être poser ça n'importe où tu veux là. Moins 3 là. Allez vas-y, regarde. Et là, voilà. Et là vous comprenez pourquoi maintenant je voulais absolument avoir un océan clean. Vous allez voir d'un seul coup, ça va être mieux. Ça va être bien mieux. Donc là c'est le petit instant café. Subitement, on a un peu plus de budget, comme vous pouvez noter, avec les petites aurores boréales qui sont arrivées, ça fait plaisir. Taux d'humidité, ici.
Ok. Donc, à partir de là. Ah, je peux toujours pas. Allez, non, non, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. On voulait le garder. Je voulais le garder. Faut que je retrouve mon moins 6, si t'es là. Et moins 8. Là, on est largement bon. Alors, lui, on est plus très bon. Ah non, on n'est pas largement bon pour lui, hein. Il me casse un peu les noix, mais on est bon quand même. Je peux en mettre. Et c'est. Je vais vraiment le défoncer. C'est vraiment le truc que je déteste. Genre, il faut du sec, mais c'est trop sec, c'est embêtant. Je vais reclaquer un petit coup de sec, comme ça on sera en favorable. Voilà. Et que, tant qu'à retapisser de verdure. Parce que je vais remettre de l'hygrométrie. Donc, remonter le taux d'hygrométrie. Poète. Oui. C'est la version large là. Ok. Normalement, avec la neige suivante, ça devrait les effacer, mais il y a des endroits où j'ai besoin que ce soit effacé maintenant en fait. Genre, pas dans 107 ans. Genre, par ici aussi, tu veux, j'aurais besoin que ce soit nickel, mais bon, là ça va passer. Donc, allons-y. Faisons gracieusement du point. Oh, pas gênant. Ah, moi je vais prendre tout le point qu'on me donne, hein. Y a pas de problème. Pas de pépins, je me sers, hein. Comme à la maison, hein. On m'a dit. Hein. Non. Et oui, ceci dit, on peut. Vas-y, poser là-bas. Alors je tapisse très largement, pourquoi? Parce que déjà, un, du point. Déjà on prend. Deux, parce que c'est joli, hein. C'est vrai que c'est joli. Hein. C'est joli ça, on va pas se mentir. Hein. Joli comme tout. Et parce qu'il va falloir que j'en crame pour faire de la forêt. Est-ce qu'on fait un peu de zèle? Moi je suis chaud pour faire un peu de zèle. Et hop, un peu de zèle. Tout simplement. Toute simplicité. Alors là, il faudrait que j'attaque. Ah, il commence à neiger. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Au secours. Brûle-moi ça. La neige va être un problème. La neige est déjà un problème. Oh, c'est. 72, 77. Bah non, mais bon, 72 c'était mieux. Voilà, donc là, la neige va être un petit problème. Il va peut-être falloir qu'on attende un instant ou deux. Le temps que ça se fasse. Je peux peut-être aussi aller me régaler ici, là, en fait. On va réfléchir, mais. Oui, on va faire ça, même. Et où le panel solaire? Voilà, on peut se mettre un panel solaire jusqu'où? Bon, bah, jusque là. Très bien. Impeccable. On garde la température négative. Est-ce qu'on se tente le speedrun de forêt? Allez. On se retente un speedrun. Il nous reste assez de spots pour pouvoir profiter au cas où. Ah, j'ai que lui que je peux transformer en forêt. Oh, la dégoûtance de moi. Ah si, non, ici. Ah, j'ai trop traîné. J'ai trop traîné, je me suis fait David. Ah, moins 97, ouais, pour rien gratter, t'as raison. Ouais, bah ici c'était recouvert. Là, je pourrais faire quelque chose. Par ici. En fait, je pourrais faire quelque chose des deux côtés. La question, est-ce que j'arrive à effacer la neige d'une manière ou d'une autre? Non, j'ai pas l'impression. Bon, il a arrêté de neiger, ça c'est pas mal.
On va se mettre ça par là. Hein. Voilà, on a fait fondre de la neige. On va se remettre un truc comme ça au coisou. Hein. Voilà, je mets par là. Ça. Je vais prendre tout ce qui peut m'arranger. Il y a un truc que je vais cramer qui m'embête. Oui, je vais te cramer toi, ça m'embête. Alors bougez pas. Toc. Oui, prends mon poteau, merci. Merci mon pote. Hop là, prends ça. Jette-moi ça dans l'océan, plus 93. Ça fait du bien. Voilà, poteau enlevé. Très bien, brûle-moi ça. Comment les cercles sont quand même beaucoup moins grands dès que c'est pas favorable. Ça pique un peu. Bon, il peut rien à gratter là. De toute façon, forêt, on est bon. Donc, terminados. J'ai pris mon truc, je l'ai jeté dans l'océan ici. Ah non, c'était là. 47, 42, 47, ce sera bien. Et bah parfait. Bon, j'ai envie de dire, il nous reste plus qu'à plier les gaules avec mettre 3-4 bestioles, mais comme si ça allait être le plus simple. Et le labo. Ok. Alors, occupons-nous de nos amis les bêtes. Ici ça compte? Ici ça compte. Alors du coup je peux... Attends. Je peux déjà mettre le relou genre? Oh non. C'est trop près. Ici là? Oh non. Attends. Il y a peut-être un spot, un monde, un univers. Ah non, comment ça c'est obsolète? C'est pas obsolète, arrête tes bêtises. Hein. Mes caribous ils sont là. Il faut des caribous. De la neige. Et de l'eau. Enfin de la glace et de l'eau. Ouais, de la neige et de l'eau. C'est bon, t'es content? Bah voilà. Ah, bon à partir de là tout est facile, hein, je vous annonce. Hein. Des kinder, mais des pingous quoi. Pas assez de glace, on est d'accord, on va trouver un peu plus de glace. C'est bon là, t'es content? Voilà. Est-ce qu'il fait assez froid? Il fait pas assez froid, faut faire descendre la température. Est-ce que je pourrais avoir un petit canon à neige s'il vous plaît? Pouette, moins 2, moins 3. Oh, on a un truc un peu généreux, moins 2. Ah ouais, super, j'ai demandé généreux quoi. Moins 3. Moins 3 degrés, c'est bon pour toi? C'est bon pour toi. Le narvalo c'est fait. Hop là. Ils sont contents. Et des harpies. Et ça quota. Wouh. Tout le monde est quota. Il ne me reste plus qu'à mettez des guillemets. Plier les gaules. Un jeu zen. Rappelons-le. Alors, un jeu qui est un modèle de paix, d'amour et de tranquillité. Si je ramasse ce pylône là. Je ramasse pas tout. Ok, donc il faut que je ramasse ça déjà. Parce que j'ai rien d'autre plus loin. Parfait. Voilà. C'est très bien. Ensuite, pareil, on va faire. Non, je vais peut-être pas forcer, c'est peut-être pas nécessaire. Je prends directement. Voilà, c'est ça. Hop, on ramasse. On profite, on récupère un peu de matière première. C'est celui-là.
Ouais, bon, bah, monorail chez moi, c'est pas trop mono, hein. Il y a le rail, ça c'est sûr. Le mono moins. Il y a la petite mousse qui vient se mettre sur le bord de carte. C'est mignon. C'est tout mignon. J'aurai pas mon pylône si je fais ça. Donc, faut que j'aille le chercher. Très bien. Je vais pas le ramasser tout de suite, parce qu'il faut d'abord que j'aille chercher la suite là-haut. Toute cette région-là est relativement simple à récupérer. C'est voilà, ça va être de l'autre côté où ça va commencer à être beaucoup plus sport. Hop. Je plante, hein, j'y vais, hein. Je fais du planter de bâton. On rigole pas. On n'a pas le temps. Hein. Nous, l'humour, on connaît pas. Ouais, ça, c'est là, par là, ça va être un petit souci technique. Même là, hein. Même là, au-delà de ça, ouais, ça va être chaud. Alors, je sais qu'on peut demander. Non, je voudrais plutôt ouais, te tourner pour par là. Balance une caisse, boum. Ah, très joli. On va aller planter des caillasses comme ça parce que sinon je vois pas trop. Histoire de bien sûr tout récup. Voilà. Normalement on est pas mal. Donc on va commencer par récupérer cette zone là et on va se ramener tranquillement vers la maison. On prend tout? Ah, on prend tout. Merveilleux. Ah, j'ai posé du poteau, hein, comme un sourd. Hein, le monorail, hein. C'est bon pour vous, le monorail. On a deux coins qui se rejoignent. Il aime bien passer par là, hein, donc on va couper par ici. Tac, non, c'est le prochain truc qu'on coupe. Qu'un caribou. C'est un neneche. C'est un neneche, il est content. C'est un neneche. Je vais avoir un petit problème de récup pour lui là-haut. Ouais. Alors, je le repique comme ça. Température chute encore? Marrant ça. Ah bah oui, plus il neige, plus ça va chuter. Plus ça va geler, probablement. Oui, on s'en fout, faut le ramasser à un moment donné quand même. Ah, ça m'en envoie autant que je veux. Oh là là, c'est royal, ça m'envoie. C'est que j'ai pas besoin d'attendre pendant 1000 ans. Les brassins, c'est tout ça. Hein. Ah, ça me sort autant de. Autant de véhicules recycleurs que j'ai besoin. C'est drôle ça. Que j'aime bien. Je sens qu'il reste genre, il va rester un truc. Oui, il reste un truc. Bon, c'est très embêtant que les poteaux soient pas dans la même section que toute la partie recyclage. Et bien voilà.
On aurait pu attendre la prochaine neige pour avoir une carte parfaite avec aucune trace de brûlure au sol, rien. Mais bon, pillons les Gaules. Et voilà. J'ai envie de vous dire que c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Terranil. C'était le Fjord pollué. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.